Bonjour tout le monde, je m'appelle Samira. Aujourd'hui, on va essayer de travailler la phrase interrogative. Eh bien, la phrase interrogative sert à poser des questions. Ça commence toujours par la majuscule et se termine par le point d'interrogation. Donc, la phrase interrogative commence toujours par la majuscule et se termine par le point d'interrogation. D'accord? Dans cette phrase interrogative, on peut trouver des mots interrogatifs comme quel, exemple, quel temps fait-il dehors? Où? Où habites-tu, par exemple? Pourquoi? Pourquoi tu fais des bêtises, par exemple? Et on a aussi des formules interrogatives comme est-ce que? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Et aussi, on a l'inversion de sujet. Aimes-tu le chocolat? D'accord? Donc, j'espère que vous avez bien saisi ce qu'on a fait maintenant concernant la phrase interrogative et révisez à chaque fois et vous allez comprendre. Au revoir, à la prochaine vidéo.